Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons la grande Carthage, le Carthage qui a pris Rome, mais qui va peut-être me faire prendre d'autres troupes. mais bon, ça c'est... enfin d'autres villes, et ça ce n'est je ne sais plus ce que je voulais dire, bref, on va défendre Olisipo. Face aux rebelles, on sait pas trop quoi. Et vu que ça passe pas en résolution automatique, on va la jouer en résolution manuelle. C'est quoi cette carte? Je sais pas ce que c'est comme carte. Ah, c'est ça? Ah ouais. D'accord, je sais ce que c'est comme carte. Je ne l'ai pas reconnu de suite. Donc, on va mettre deux hoplites. Un comme ça, un comme ça. Je vais foutre mes javelots par là. Pas trop quoi en faire. Mettre la plèbe ici. Et on va voir ce que ça va donner. Ça va donner surtout qu'on va se prendre une charge de cavalerie. Le but va être de s'en débarrasser. Et ils ont l'air de vouloir passer ici. Merde, c'est des navires. Oh, j'ai totalement zappé les navires. Merde. Je vais bouger mes tirailleurs que je vais faire passer là-bas. On va les faire marcher lentement, le but c'est d'attaquer par derrière s'ils ne nous voient pas, s'ils nous voient on est dans la merde. C'est pour ça que je vais faire une halte ici. On va reprendre la route. Allez. On va aller vite, il va charger sur... Ok, mais au plit moyen, il a raison en soi. Ils sont moins forts. Là-bas, il y a quelques troupes dont il faut se méfier. Là, on charge. L'avantage, entre guillemets, d'avoir des unités à lance, c'est que normalement, on a un petit bonus d'attaque contre les... Ouh, une troupe, là. Non, ce sont les deux ici, ok. On avait trois, hein. Je sais pas où est-ce qu'il est la dernière, où est-ce qu'ils sont les derniers. Ici, on va faire venir les javelots. Lance déploie. Moral en berne, tu m'étonnes. On va faire une salve ou deux là et ça devrait être pas trop mal. Alors vite revenir en arrière par contre, ça va être plus compliqué. Je vais leur dire d'aller là. Là, hop. Pas besoin de faire plus, charger. C'est bon. Je vais leur demander vite de bouger là les hoplites. Les hoplites moyens. Le plit lourd, les gens vont en renfort s'il y a besoin. Ici, on va faire arriver là. La plèbe. La plèbe, tiens, je vais leur demander d'aller là-bas. Là, il y a quoi? Ouais. Ah, c'est tendu là, on va peut-être pas arriver à temps. Les javelots, on va plus leur demander de faire le tour, pareil. Comme ça, bah non. Bande de couillons là, à vouloir faire le grand tour plutôt que faire. Bref. Voilà, on va aller derrière. Parce que eux là, ils ont pris des dégâts, mine de rien. Ils ont pris de bons dégâts. On va aller derrière. Là, on va leur dire allez là-bas, les gars.
La populace devra absorber si jamais ils viennent au corps à corps. Pendant que nos troupes derrière pilonneront. Ouais, j'ai bien fait d'envoyer mes hoplites légers là en première ligne parce qu'ils ont pris tarif. Enfin, mes hoplites moyens, pardon. Hop, bien sûr, je mets tout en feu à volonté. La populace, là, je les décale un petit peu parce que mine de rien, ils ont reculé, eux, là. Je veux pas engager le corps à corps. Ça va pas du tout à mon avantage. Ok, j'ai une unité qui commence à tirer. Impeccable. Elle commence à passer sur le côté, donc on va avancer avec nos plites. Et puis là, ben, en vidant les munitions, je pense qu'il devrait prendre, il devrait avoir beaucoup de morts. Ça devrait pas être trop problématique. Ouais, ça tombe comme des mouches, quoi. D'ailleurs ici, voilà. Moral anéanti. Signe de faiblesse. Impeccable. Voilà. Je continue juste pour faire quelques prisonniers. Voilà, aller chercher les troupes. Allez, allez la populace. Voilà, vu qu'elle est très légère, elle a plus de facilité à se mouvoir et à aller chercher les fuyards. Ah, ça arrive. Quand même eu pas mal de pertes hein, sur cette unité. Mais c'est pas bien grave. L'unité de garnison, va peut-être falloir faire quelque chose quand même pour l'ordre public. Ça peut aider. Parce que là, je crois qu'on en est déjà à deux révoltes d'esclaves et une révolte classique. C'est pas... voilà quoi. Peut-être falloir au bout d'un moment. Oh. Je veux pas de captif. Le juge... Ok. Oh la vache. C'était un tour compliqué là. Déjà je sauvegarde. Voyons. Voyons. Toi. Tu vas chez Suève. Et tu vas foutre le zbeul. Faire quelques bâtiments. J'en profite pour recruter un dignitaire vu que j'en ai en moins. C'est pas cool mais bon. Non. Vraiment pas terrible. Hein. Faire ça. Faire ça et je vais lui demander d'aller sur l'armée laquelle. Ensuite. Rébellion imminente, Mania Grecia. Ah. Ah bon. Ah oui, oh putain, et moins 28, ah oui. On va faire ce qu'on va pouvoir pour le bonheur. Un peu d'ordre public, les gars, ça vous intéresse? Moi, je demande ça après. Est-ce que vous voulez hein. C'est vrai que on est passé en royaume, et qui dit royaume dit plus de problèmes d'ordre public. Je vais aller à Lilibéum. D'ailleurs, pour recruter de nouveaux navires, de beaux navires. Ici, ça donne quoi? Ça donne Okinawa Carthago. Ouais.
Ouais, ça donne qu'ils veulent se taper dessus, ils veulent se la foutre. Les 10 000, il est tout seul. Il est tout seul. Ok, d'accord. Par contre, s'il envoie pas plus de troupes, au bout d'un moment, ça va finir à être compliqué pour lui. Hein. Moi qui pensais Massalia déjà avoir gagné, bah non. Et mes suites l'Empire. Ok, j'ai plus grand chose à faire. Ouais. Les Suèves, hein, comme d'hab, on a l'habitude au bout d'un moment. Ce qui va me l'éliminer. C'est possible. Accord commercial. Pourquoi pas? Je sais pas s'il m'a éliminé mon agent. En tout cas, je fais tout pour que ça ne soit pas le cas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ah, il est en payante là. Ah merde, ah, ça aurait peut-être pu m'intéresser en fait. Faut que je fasse attention. Ouais, donc il y a une rébellion. Lui a été blessé. Eh ben putain. Il y a du mouvement là, dis donc, ces derniers tours. Entre lui là qui commence à faire des mouvements un peu suspects. Allez, 30% de chance de. Oh putain. J'y arrive pas. Ça veut pas, ça veut pas. Alors, on va faire reproduire les chevaux. C'est moi qui décide si tes chevaux sont de bonne qualité ou non. Je peux pas adopter. Deux de plus. Deux autorités de plus que le Z de la cible. Oh merde, il y a un peu de zèle. Attends. Ça fait pas partie de la lignée, ouais. C'est lui qu'il faudra. Ouais, ok. J'ai pas assez d'or hein, pour améliorer bien mes personnages encore, donc. Donc. Déjà? Ah mais non! Ah, je me le disais, comment ça il est déjà en bonne santé? Ouais mais non, c'est pas le même. Alors Italien, on est bien, Magna Grecia. Une petite rébellion issue, rien de bien méchant. Rien de bien méchant, rien de bien méchant, ça je vais détruire et je vais faire autre chose à la place, j'ai l'impression. Je ne sais pas encore. Améliorer un peu ce que je peux faire en revenu. Hein. Je peux améliorer les villes là, déjà, c'est bien. Là, ça se passe comment là? Moins 20. Moins 20 par tour? Ah oui, quand même. C'est énorme, moins 20. La réforme du gouvernement, c'est ça qui me fait baisser. Pas bien grave. Bon. En direction Lisipo, les gars, comme ça, s'il y a une révolte, vous la matez direct. Ah, je pensais que ça passerait plus facilement. C'est pas grave. Moi, j'ai des bons revenus là, 12 000 par tour. Clairement, pas me plaindre. Une petite armée rebelle, mais bon. Prendre une cité, ils vont peut-être pouvoir prendre Néapolis à la rigueur, tu vois. Mais alors, pas plus. En général, il. Oh non. C'est égyptien, dis-moi que c'est pour l'Égypte, hein, que c'est pas pour moi. Hein. Ah, mais si, c'est peut-être Olisipo. Encore des esclaves Olisipo! C'est la troisième révolte d'esclaves, la vache! Mais il y en a beaucoup! Non, parce que j'en ai pas des masses non plus, des esclaves! Les hippos, les esclaves. Vodnisé.
Hein? Quoi? Attends, les chevaux qui me donnent de l'ordre public? J'ai eu quoi? J'ai mal lu? Ah ouais! Allez. Ah, on se débarrasse d'eux là. Et quelques rebelles romains là. Est-ce qu'ils valent aussi cher que leurs prédécesseurs? Pas plus que ça, donc hop, on tue. Royal défenseur. Allez. Olisipo. Voilà. Je sais même pas où ils sont les esclaves en vrai. Esclave. Ah, j'en ai pas mal hein, quand même. Économie, impact. J'ai un gros impact, hein, mine de rien. C'est pas possible. 4. 4. 12. Oh la vache! Ah bah si, d'accord. Je pensais pas en avoir autant des esclaves. Hein. Bon bah là, classico classique. Hein. Hop, tac, tac, bim. Les esclaves, on les tue comme ça. Ça fera, je suppose, peut-être baisser à un terme le taux d'esclavage. Corruption, 13,2%. Tranquille. Regardez combien en corruption, 13,2. Oh, tu me diras. Je sais pas combien on en perd actuellement. Mais je suis pas sûr qu'on en perde vraiment beaucoup. Voilà, on a amélioré tout ce qu'on avait amélioré. Je voulais voir. Au niveau de l'ordre public, avec la construction des nouveaux bâtiments, l'ordre public il sera pas terrible, terrible. Donc je vais détruire ça et ça. Je vais faire des stadia en attendant. Que j'ai un meilleur ordre public. On est d'accord là, j'ai pas. Ouais. J'ai pas grand chose d'autre à faire qui pourrait me donner plus. Ici, coucou hibou, tu vas y retourner hein. Non mais tu vas faire ça parce que t'as pas le temps d'XP. T'es pas bon hein. T'as pourtant... t'as du niveau mon ami. Allez. De gauche à droite, est-ce que je peux améliorer quelqu'un? Oh oui, tu peux te marier. Allez. Ok. Ok. Oui, c'est vrai que j'ai une flotte aussi reconstituée. Au niveau de Lilibaum. Je l'avais zappé cette flotte. Ça, j'aimerais bien me débarrasser un peu des. Des Massiliens, mais. Ça doit être Carthago, quoi, qui me saoule aussi. On s'en fout, ok, super. Ah, on s'en fout peut-être pas tant que ça. Non, ça va. Oh bah dis, il y a de la troupe ici, hein. Je vais pas sauvegarder. Si? Je sais plus. Été? Bah si, c'est sauvegardé. Je crois que je viens de le faire, mais bon, que j'ai déjà oublié. Voyons voir. Ah, il y a des troupes, là. Il y a pas mal de troupes, même. Conseille-moi donc. Tous les hommes doivent servir. As-tu arrivé au bout d'un moment à assassiner à ton taux de 31% après avoir essayé je sais pas combien de fois? Non, toujours pas. Hein. Votre volonté est faite.
Ah, c'est un échec carrément. Ah non, c'est bon. Attends, quoi? Ah ouais, tu vois rien, toi? Est-ce que tu peux... Genre lui, là, par exemple. Tabote-lui un coup, là. Bien joué, Jezebel. Ouais, ça c'est quoi ça? Ouf. Ici on disait donc de l'ordre public. Et ici on va améliorer. 1050, c'est pas cher. On a 2 tours pour l'amélioration. Ici on n'a rien à faire. Stadia. On a enfin un peu d'ordre public. Je vais voir comment se débrouille Massilia. Ah voilà, il peut adopter enfin. Ça coûte cher, hein. Voilà. Je suppose que c'est aussi censé faire baisser un peu la corruption. Pas tant que ça. Vraiment pas tant. C'est moi où j'ai vu un... Un champion mercenaire. Non, les Suèves, qu'est-ce que vous foutez encore? Ah. Ok, très bien. L'Égypte ici. Ah, ça me fume. Oui, effectivement, il y a un mercenaire vétéran. Donc là, bah, j'avais prévu de lever une troupe. Ah oui, c'était pour l'entraîner lui. Ah, oh, ça, bon, ça me revient. Lui, ça fait fumer, hein. Ah, là, il a essayé, je crois qu'il. Ah non, entravé. Ah, ouais. Et je le vois pas. Très bien. Allez, incite donc à l'agitation, toi. Super. Là. Faut savoir que partir en reconnaissance, c'est pas terrible. Oh là là, c'est vraiment pas terrible. Le sabotage, j'aime ça. Ma mission a été un succès, monseigneur. Ok. Bah, je vais en profiter pour recruter peut-être quelques troupes, non? Ah oui, oh, c'est vraiment le bordel. Oh, oui, si, je vais recruter quelques troupes. Coûte cher. Pourquoi il fait partir ses troupes là lui? Oh, terrible. Terrible. Commence à me casser les bonbons.
Ouais, bon bah je vais aller sur Massilia, hein. Je vais récupérer cette flotte-là et je vais l'emmener à Massilia là. Et on va prendre Massilia, hein. J'ai pas le choix. Je crois, Massilia. Attends, Massilia s'est fait prendre par les Suèves, je crois. Je crois que Massilia, vraiment, la ville est tombée par les. S'est faite bouffer par les Suèves. Oh merde, ils font chier. Ils sont chiants ces Suèves. Est-ce que ça voudrait pas dire que. Ouais, mais non, je peux pas aller tomber sur les Suèves comme ça, ils sont assez gros. Je vais aller bouffer les Massiliens et Nova Carthago. Ah. On a vraiment perdu quelqu'un? Qui? Ah, mon meilleur amiral en plus. Il est mort à combien? Il est mort à quel âge lui? C'était qui? Elle est où? C'est lui? À 52 ans? Non. Non, je refuse d'y croire. 243, bah c'est qui? Il est disparu. Il a totalement disparu. C'est quoi le délire? Bon. Aucune trace. Il a laissé aucune trace. Bon. Ce que je vais faire, c'est que là, la nouvelle Carthage fera partie de l'ancienne. Voilà. Ici, je pense qu'on a de quoi. Si on se barre. Oui, on a de l'ordre public, c'est bon. Hop, direction Caturba. On s'en fout, ça. C'est un détail. Et eux, rament toute direction Tingis. Donc eux, à moins 8 par tour quand même, hein. Rame toute direction Midgol. Pendant que eux. C'est mon Basileus. Direction Arakilom. Basileus qui était resté là-bas quoi. L'ordre public est désastreux. Hein. C'est terrible. Hein. Oh la vache. Ça a du mal, hein. Toujours des malus? Ouais. Voyons voir. Ok. Plus d'attributs pour le général du parti associé, c'est très bien. Ici. Est-ce qu'on peut réussir un assassinat un jour? Bizarre, j'ai l'impression que c'était pas ça que j'avais demandé. Oh, putain, c'est vraiment terrible. 30% de probabilité, quoi. Ouais, bah pas terrible, hein. Vraiment pas terrible.
Et... ouais. Terminer le tour tranquillou. Suève, toujours à faire les beaux. On va finir par les déglinguer un jour. Une faction émerge. Qui donc? Je... ouais, rien à foutre. Alors, on va lui rendre visite, un vieux forgeron gaulois, bien sûr. Pas grand chose. Danin, tu vas faire de l'expérience, s'il te plaît. Comment puis-je vous servir? Je peux pas? Comme ça, je peux pas. J'irai au bout du monde pour Carthage. Ah ouais. J'ai pas ce qu'il faut pour un assassinat. D'accord, très bien. Oui, monseigneur. Comment puis-je l'instrument de votre volonté? Ça marchera pas, mais bon. Dire qu'on l'a entravé? Parce que ça fait l'entrave, hein. On l'a entravé. On se rapproche tranquillou. Je vais en profiter là. Je vais améliorer mes... promouvoir un peu mes... mes membres de famille. C'est sympa ça. Oh là, lui il a un niveau. Waouh. Les bonus qu'il donne, c'est quelque chose. La matriarche, hein, la matriarche, elle donne des sacrés bonus, mine de rien. Ok. Toujours en route diversion. Direction Arakilom. Ils sont arrêtés juste devant, je crois. Pas de beau. Pas de pot. Pas de pot, pas de bol. Le mélange des deux, pas de beau. Ok, d'accord. Eux, ils vont pas tarder à arriver. Ah, ils ont l'air d'être arrivés à Arakilom. À voir. À voir. En tout cas, il pleut là-bas. Ok. Oh, bien ça. Dès le recrutement en plus. Le déplacement va se faire tranquillou pilou. On va y arriver tranquillou pilou aussi. Action émerge, qui donc? Les Boyens. Ok. Alors si j'ai de la construction à faire. Sinon on va continuer à améliorer nos unités. Hein. Ah oui, d'abord. Monseigneur. Toi un jour,
Non, tu veux pas. Je vis pour servir la puissante carte de sabotage. J'aime ça. C'est fait, monseigneur. Ah, espion en 10, enfin. Bon, ça, c'est un échec, mais on s'en fiche. Et toi, assassinat, voilà. Oh! Tu as réussi. Bon, tu n'as pas totalement réussi, mais tu as réussi, c'est pas mal. Ah, ben là-bas, j'ai pas la portée. Dommage. Donc, je vais lui demander de voler un peu de nourriture. Pour cette fée, hein. Je sais pas comment il en vole en vrai. 8. Ouais, pourquoi pas, hein. Eh ben. Eh ben. Tant d'améliorations possibles. Ah non, on n'était pas arrivé à l'Isipo. Je sais plus. La balade carthaginoise. Accès. Non. On devrait, oui. On est en paix contre tout le monde, avec tout le monde plutôt. Ça ne va pas durer. Déjà, tu vois. Un tentative, une tentative. 33%, allez, 33% de probabilité quoi. Échoué, d'accord. 27%, allez, on y croit. C'est des blessures seulement, il veut pas, hein. J'y arrive pas. Hein. Action émerge. Sagatia Aria. Ah bah dis donc. Il y a de la libération par là-bas. Hein. Ok, toi. Direction Midgol, s'il te plaît. Par contre, tu vas pas te déplacer facilement, rapidement, toi. T'es très lent, même. Donc. On va faire le siège de Tingis. On fait un petit blocus, là, tranquille au pilou. On va attaquer là-bas. Je vais perdre des éléphants. Très certainement. Oh, même pas. Je relâche. Oui, je relâche. Est-ce que là je peux. Oui. Je vais les chercher là. On va sortir les renforts de Tingis en plus pour récupérer Tingis. Plus facilement. Hop, la reconstitution. Décidément. Ok, j'occupe. Ça, c'est très bien. Donc Tingis, Tingis. On va faire de la bouffe. Hein. De l'ordre public, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche, et ça on s'en fiche, voilà. D'accord, là il n'y a pas de troupes. Ok, ici ça donne quoi? Bonjour, bonjour. Ah, je suis en rame forcée. C'est bizarre. On va faire un petit blocus. Un
Dans tous les cas, j'en aurais besoin pour les territoires massiliens, donc tant qu'ils aillent là-bas. Oh. Là, on avait réussi à faire un petit quelque chose de sympa. Ça coûte une blinde, hein. Ça coûte une blinde d'améliorer les troupes. Aïe aïe aïe. Oh. En autorité? Allez, prends-le. Mariable. Ah, il est mariable. Impeccable. Profiter pour améliorer un peu les unités aussi là pendant qu'on est. Là c'est bon. C'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon, ok. Super. Peut-être faire revenir cette flotte. Ouais, je vais faire revenir cette flotte. Sauvegarde aussi. Et direction Ibosim, ce sera très bien. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Faire ça d'abord. Ok, là ça avance, là 2 tours avant la constitution, ça me va, pas trop long. Là ça recrute. J'ai mis quoi comme techno? Ouais, c'est bon, je peux dépenser. C'est pas de la... Pas du bâtiment très très cher, au contraire, c'est même du bâtiment vraiment pas cher pour le coup. Ah. Félicitations pour votre heureux mariage, les gars. Enfin, madame et monsieur. Cette époque. Ah, si, cette époque, il était peut-être moins con. Ils acceptaient beaucoup plus facilement ce. Les mariages entre personnes du même sexe. En mariage, j'en sais rien, mais au moins les unions. Demandez aux Grecs. Les unions? Ah, les unions, je sais pas. Mais les relations, là, les relations, il n'y a pas photo. Les unions, j'en sais rien. C'était totalement accepté. Dans quoi est-ce que j'ai vu là? Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais. Ouais, je sais plus. Mais bon. J'allais vous dire des bêtises. Mais non, pas mal de textes, ça part ouvertement. Enfin, de l'époque, ça parle ouvertement. De relations. Et ça les gêne pas. Oh, tiens, on a blessé l'ennemi. Pour une fois, c'est pas l'inverse. Ah oui, c'est vrai. Non, tu me diras, c'est vraiment de la bouffe ici, hein, c'est même pas. Je vais faire ça. Je vais en faire un deuxième. Vraiment besoin de beaucoup d'ordre public. Eux, ils vont venir. Peut-être me filer un coup de main. Je vais respirer. Là, le souci, par contre, c'est qu'on. Zéro. Oh, on est bien au niveau ordre public. On est moins bas.
Je me souviens plus d'où c'est. Voilà. C'est lequel des deux? C'est poste de combat ou camp d'entraînement? Poste de combat. Un camp d'entraînement. Plus de 5% d'attaque, c'est très bien. Petit bonus sympa là. Qu'on aura à terme. Là, je vais aller y recruter des troupes. Tast Libyen, il n'y a pas mieux les gars, c'est vraiment pas mieux. Ah bah non. Ce sera du Peltast Libyen. Dommage. Voilà, 4 tours en plus, c'est assez rapide. Aider On va déplacement continuer à voler, hein. tous les hommes doivent j'irai au bout du monde pour Carthage. Et là, on a vu surtout que Massilia s'est fait prendre par les Arvernes. C'est couillon, non, ça. Constitution le tour prochain, c'est très bien. Révolte d'esclaves. Sérieux, hein? Comment ça se fait qu'on a un ordre public aussi bas ici? Je sais pas, pourtant j'ai des stades, etc. Organiser des jeux. Moins mal. C'est dingue quand même. Un public absolument dégueulasse. Ça me coûte une blinde. 13 000. Oh. Ouh. Ah, attendez, je vois un truc bien. Voilà. Hop, direction Midgol. Y a pas des troupes de Massilia là? Ils sont déjà rebarrés là? Ouais, pourquoi pas. Oui, ils sont en général, c'est bien. Accès, rien à se foutre. De toute façon, plus je me suis un peu fait mal voir de mes voisins en attaquant la Nouvelle Carthago, la Nouvelle Carthage. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Hein? Des esclaves qui sont venus de je sais pas où là. Chier. Chier. Agressif. Des esclaves qui viennent de Genua. Ils viennent me piller Valatry. Bon, ça me saoulait là le voisin là. Envoyer ses esclaves maintenant.
Oh merde, 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 non, il va aller à Réminium maintenant. Eh merde. J'ai pas vu, j'aurais dû aller chercher ces troupes, je les ai pas vues du tout, putain. Bon, toi. Chacun doit mourir quand son heure vient. D'accord, à 30% de chance, c'est le mien qui... Ouais, non, mais pourquoi pas. La main coupée ne peut Je ne joue pas de chance avec... Avec ses troupes, hein, putain. Je joue même de malchance, hein, là, c'est terrible. Bon, on va devoir recruter quelques mercos. Amplit étrusque. Galerie, là. Hop. C'est vraiment pas de peau, hein. Et ça. Voilà. Ok. Ah d'accord, ils sont là. Je les ai retrouvés. Par contre, vraiment là? J'ai même pas donné gagnant. Pardon? C'est quoi la blague là? Pas encerclé, hein. Vraiment au bout d'un moment je comprends pas le principe mais bon bah encerclé hein, une piquée qui sont vraiment si nuls que ça mes unités de piquée bah zut c'est pas de peau Terminons le tour. Les esclaves, je préférais qu'ils aient Patavium plutôt que chez moi. Non. Oh zut, j'aurais préféré qu'ils m'envoient les autres plutôt que... oui, et on va même vraiment pas s'en on va pas s'embêter, même si je perds des éléphants, même pas en plus, on va les relâcher. Oh tiens, je vous ai pas vu venir, dis donc, c'est dingue. Putain, je vous ai vraiment pas vu venir. Quand ils m'ont saoulé, donc je les tue. Ok, ok. Monseigneur, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je me glisserai parmi eux. Comment puis-je servir, Carthage? Nous battons pour vous. Au combat! Ah, tiens, je pensais m'être débarrassé d'eux maintenant. Ah, des esclaves en moi. Non. Voilà, encore une rébellion d'esclaves. Je mate même les rébellions d'esclaves qui ne sont pas les miens. Hein. C'est quand même magnifique. Hein. Ok, on va faire des stadia ici, c'est bien. Là, on a quoi? Oui, on est bien aussi. Résolution, voilà. On prend une gueule. Et normalement, il n'y a plus de Carthagino, de Nova Carthaginois. Voilà. Un P. Quoi? Il est Nova Carthago, il y a ça là? Oh, ça doit dater d'un moment, ça. Oh, ça doit dater d'un moment. Et là, on va faire remonter les troupes.
Direction. Carte d'acht. Ici on est bien. Là. Les frais remonter petit à petit. Margarida, etc. Ouah, c'est fort ça. Oh, bonjour, bonjour, bonjour. Arrêtez de vouloir lui donner de l'autorité. Ouais. Essayez de... Voilà. Voilà, adopter plutôt pour pas qu'elle forme son propre parti, on sait jamais. Hein? Je peux la marier? Déjà? Ah oui, mais elle a 22 ans, ok. C'est une belle famille, hein, déjà. Hein. Bon. Bah moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver pour le prochain épisode pour très certainement un début de conquête des territoires de Massilia ou alors des Suèves s'il me saoule. C'est aussi une possibilité. Oh oui, avec grand plaisir. En plus, tu vas taper sur les Suèves. Un grand merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. C'était Thiob. Ciao.